Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. Seulement deux actualités aujourd'hui. La première, c'est que Google et Microsoft ont publié leur revenu annuel concernant surtout 2022 et on voit que par exemple l'IA n'a pas du tout impacté, que ce soit le volume d'utilisation des moteurs de recherche mais également le revenu publicitaire. Donc il faudra voir notamment 2023 s'il y a des différences. Si l'IA mange les revenus, on va dire, de la recherche classique. Et son revenu, celui de Google, a même augmenté de 39,6 milliards à 40,4 milliards. Donc, c'est une augmentation d'à peu près 1,8%, même s'il faut le prendre en compte, la crise Covid qui avait beaucoup, beaucoup baissé les revenus de Google, en fait. Donc, ça revient un peu à la normale. Donc, Sundar Pichai, le CEO de Google, a déclaré que l'IA va clairement changer la donne dans les prochaines années. Il compare c'est aussi important que lorsque le trafic est passé du desktop vers le mobile. Et donc, on a déjà testé Google Bard. J'ai une vidéo où j'ai testé Google Bard. En termes de LSD et d'hallucination, c'est du haut niveau. Moi, j'adore cette vidéo, mais sur le code, il est plutôt bien. Et Bing aussi annonce des résultats importants. Et donc, ils disent que leur revenu a augmenté de 10 à 13%. Et il y a aussi le téléchargement de Edge et d'utilisation de Bing qui a augmenté. Sauf qu'en fait, ils ne donnent pas de chiffres réels du nombre d'utilisateurs. Ils disent simplement que Bing Chat a maintenant 100 millions d'utilisateurs, mais ça c'était déjà le cas en mars en fait. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans un creux qui est assez creux en fait du mouvement de l'IA parce que les nouveautés se font un peu plus rares. Et en fait tout le monde dit que tout va bien, même OpenAI nous dit que il y a quasiment 3 millions d'utilisateurs qui utilisent DALL-E, donc le générateur d'images d'OpenAI par jour. Je trouve ça très difficile à croire parce que DALL-E c'est plus du tout la meilleure IA. Pour moi c'est Stable Diffusion qui est la meilleure, suivi de Midjourney. Beaucoup de gens utilisent principalement Midjourney, DALL-E, je n'en vois quasiment pas. Donc on est toujours dans cette mécanique des GAFAM qui gonflent un peu le stat. Mais pour le moment, tous ceux qui sont dans l'écosystème du web et de la publicité n'ont pas quelque chose à s'inquiéter. Ensuite, la seconde actuelle est un peu plus amusante. Donc c'est un utilisateur qui s'appelle Pizza Letter qui a créé une publicité entièrement par IA. Donc, on va voir ça. Are you ready for best pizza of life? Voilà. Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable, and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock knock, who's there? Pizza magic. Eat Pepperoni Hug Spot pizza. Your tummy say thank you, your mouth say, mmm. Pepperoni Hug Spot. It's like family. But with more cheese. Ok, donc c'est voilà. Il a proposé le trade Twitter là. Donc qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un script à GPT-4, mais je sais pas comment il a fait. Ah oui, donc il a demandé à GPT-4 de créer le script vidéo. Les images, il a fait par Midjourney et les clips, il a fait par Runway Gen 2, qui est une startup qui propose des vidéos IA. Et on voit tout de suite plusieurs. Qu'est-ce que c'est que. Are you ready for best? Les visages sont vraiment pas bons, quoi. Voilà, on va voir l'animation. Voilà. L'animation est catastrophique. Donc, mais c'est la première publicité entièrement faite par IA. Les visages sont corrects, les doigts sont pas encore ça en fait, mais ça donne une possibilité. Et il dit que il l'a fait en 3 heures. Ça lui a pris 3 heures pour le faire. Et même le son, il a fait avec Ellen Van Lab,
qui est une start-up qui est une entreprise qui propose de la synthèse vocale et même la musique. Je connais pas le Soundrave, ça doit être une musique IA. Et il a fait le montage, il a quand même fait du faire le montage dans After Effects. Donc, ouais, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Maintenant, comment il a dû faire le montage, comment il a animé le truc, ça reste à voir en fait. Mais ça vous donne une possibilité. Ça vous donne une possibilité. Donc, c'était le texte audio, la synthèse vocale est pour moi la grande nouvelle tendance qui arrive. On l'avait montré avec Bark, avec Natural Speech 2, mais les vidéos commencent aussi à arriver. Donc voilà les actualités IA pour cette fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.